Si la Constitution déclare que à l'issue des élections, il faut former un gouvernement en ayant un mois, qu'est-ce qui fait que plus d'un mois après, le gouvernement ne soit pas mis en place? En fait, je prends juste un exemple. Je ne sais même si c'est un mois, si c'est une semaine, si c'est 48 heures. Et il faut quelque part, le lingue tomona ki élection après Bissot le 8 mai, mais une semaine après, tomona pe gouvernement et bimaki, gouvernement na pe, ba ministre basal nini, ba prêter serment, na muswa population mobima, et pe zalaki na moi. Et là, on a kamo amingi na mboka na biso, bloko nyon soto salaka, et zarana boutou. Au moment na ta gouvernement bo bat bazali kozela, et goya kobima, bon, nga na oba gouvernement, pour biso totikala o voté te. Donc, gouvernement on a déjà, pour nanga eza ambigu, parce que non seulement biso diaspora to vota kite, mais ba parti moussou souza na katia Congo, et vota quitter parce que biso tokokyo le baiza likambo logistique mais bato baza na Yumbi na Beni tout ça ba vota quitter. Alors les lots gouvernement ezali kobima parlement ebimi mais bato que ba parti wana ya mabele ba vota quitter. Donc gouvernement est toujours le bas et kobima est partiel parce qu'il faut considérer ba territoire wana. Donc, la moi Nkokoso pona ko répondre normalement na ba démocratie OSL ko fanda atana mboka e to fandi au moins na ba votaka ba bourg to bengi ba bourgmestre donc bazali choisi na ba premier constituant o to bengi ba citoyen ya esika oyo ba fandeli au moins na partout ba sali ba publicité Ward de 65, Ward de 67, pour Nayovila et Ward de 67. Alors, Batouana de Bako voté Moutou Obalingi à Kambabango et Kendati à niveau à chef de quartier. Donc, Sengeli Pe, Nakanisi était le Kolatolingi to Bongwana to comme la démocratie, Makamwana et Salema Pe Nambo Kanabiso Pom, Takoko Kambayote ce que Yébi était. Tant Banome, Oebi Bisika Outi, Oebi Soki Azali Pe Moutou à quartier Wana. À Kosala Nini Pona Bino, Nantine a été quartier Nabino et s'est développé. Voilà, na Eyanouamouke, on a la coquille qu'on répondre en ce qui Pour un Bezkara, une équipe de professionnels à votre disposition. Pour Abezar, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Pour Abezar, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Poa Bezkar. Avec l'avènement de Poa Bezkar, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Poa Bezkar. Poa Bezkar, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 660 www.poabez-6car ou bien contact@poabez-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Poabez Car.
Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles, téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est votre émission, tout sur la Pona Congo, avec Yannick Wenge, Moto Atonda Nakati, la Kibonzambe, Bissoso Nzambete, Mawa Ming, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup, na Pawa Beskar, à ce compagnie, Moura Kitoko, et la Kinshasa, Pona Bissoba Congolais, ba Congolais, on vous voit partout dans le monde entier. Oye vacances, la Kinshasa, place Yakonoué Moutouka. Qui toque à Delix, autant moi, le rose à la poteau, Pawa Beskar, mesdames, mesdames et messieurs, Tokutanawana Mitouka qui toque, Pawa Beskar, une solution pour nos Congolais, au bas diaspora, au Talibana. Merci beaucoup, maman Adèle Yombo, maman Walera, Namano Bakama, Brabotiste, la Trisomi, maman Adèle Yombo, la pêche beauté, Yaya. Papa Volka, hein, combattant non aligné. Merci beaucoup, Nabino. Toujours encadrement, Moussa Kitoko. Merci beaucoup, na président d'Andala, ensemble pour une nouvelle république et Koufate et Zat, toujours au vivre. Mesdames, mesdames, messieurs, mais on a professeur Jean Boissa, toujours sur la toujours Mamboka, Nabiso Congo, Tolanda, et bon, on a pour l'émission Nabiso. Bonjour, mon frère. Je vais bien, merci, et toi? Ah, Wenge Talara, Maramamboko, Moussala, ma conférence, dernièrement, on a eu Bililimo, on a Salaki, Zoingatan Mingi, projet ya My Congo, My Story, et Kangamagina le 12 août. Mais on a bien ça que moi, on a quitté, hein, Yaya. Ça va. Bon, na lolenge nazali a nazali pena na mukanda a mibe kote. Alors, ekozala moi nkokoso pona nga pona ko répondre. Normalement, na ba démocratie o esili ko fanda, atana mboka e to fandi, omona ba votaka ba to bengi ba bourgmestre. Donc, bazali choisi na ba premier constituant o to bengi ba citoyen. Il y a Esika Oyo, Bafandeli, au monde partout, Batsali, ba publicité, Ward de 65, Ward de 67, Ponayo Villa, et Ward de 67. Alors, Batouana, on a voté, Moutou Obalingi, à Kambabango, et Kenda Atin, à niveau à chef de quartier. Donc, Sengeli, Pe, na Kanisi, Ete, Lokola Tolingi, To, Bon, Wana, To, Koma, démocratie. Makamwana et Salema Pena Mboka na biso pom to koko kambayote ce que yebiete tant ba nomé oyebi bisika auti oyebi soki azali pe mutwa quartier wana akosala nini pona bino nanti na ete quartier na bino et se développer voilà na eyanwa muke oyonga na koki ko répondre en ce qui concerne ba bourgmestre. Bon, analyse nanga ona koki kosala na esika wana ezali ya mokuse. Na kanisi ete na bandai kosolola na batu na eleko elekake. Na kata mboka abiso tozali na bato tobenge mapinga. Donc mapinga ezali armé. Armé wana esengeli esala mosala nango, c'est-à-dire ya ko maintenir sécurité pe ko protéger intégrité territoriale na biso. Alors, tozali na kati ya guerre te po mutu ake neko senga partenariat ya ba armée mususu po baya ko protéger to ko sécuriser biso. Tomona ki ango déjà depuis 97 na tango batu ya Afdel bakotaki lelo tozali ko subir ba effet ya ba armée étrangère oyo ekota na mboka na biso ti na niveau ya sommet ya armée tozali na ba officier supérieur Naba chef d'état-major, Oestoye Bipekutu, Bauteli Wapite, nationalité Nabango Ezali douteuse, Yangonde Tozali Mingina, Koka moi, le Lengin Tokoki Kosenga partenariat Yaba armée Moussousu, pour Bayako Salisabusu.
nakanisi ata na ba chaîne eye na utaki ko lobela makambo ena. Alors discussion mingi salemaki na tango na selisaki émission na chaîne nationale ya mboka eye. Batubele babio non yo lobi ke Ebola euti na Congo na mai o ezali babenga Ebola kasi Ebola naza kout na ba message on na téléphone Ebola ebandai na 1967 na Mayburg na Allemagne. Alors ponangai évidemment na ki kozung c'est la bango été Ebola ebandi na 1967 mais soki tolingi to lobela makambo ba maladie virologique et bandaki depuis les années 1800, toloba précisément dans les années 1700, et sika ba e bazali ba mindele, ba bandai déjà kosa la ba recherche, lo lengenini ya kolongola pe ya ko supprimer, et kolo o ya biso ya bato mwindo. Donc, soki tongi total ango na lo lenge ya science, science wana e bengamaki eugenics. Eugenics ezali science ya purification ya ba race. Mingi développement nango et salamaki na période ya Seconde Guerre mondiale na ba allemand o ba kreaki race o ezali aryenne. Nonobstant cela, depuis 1967 pratiquement Ebola ezali récurrent na mboka na biso et sali déjà 10e ou 11e épidémie o ezali ko sévir na mboka na biso mais toyebi pe batu oyo babika na kati ya Ebola na par exemple na 1990 docteur Beya na banzi azali kaka en vie na Kikwit, il était médecin à l'hôpital général de Kikwit, na docteur Palata babika ki na yango alors que professeur Muyembe azali ki kosala na université ya Atlanta pona ko éradiquer maladie ya Ebola dans l'une des plus tragiques épidémie qui avait sévi en 1990. Et depuis lors, le professeur Muyembe, que nous saluons au passage, a fait des recherches et des études sur ce virus. Ceci étant dit, ce n'est pas le remède qui manquait, mais c'est beaucoup plus une volonté peut-être politique, internationale et nationale qui a manqué pour que on puisse contenir l'Ebola dans le coin où elle a surgi récemment. Toujours est-il que nous félicitons le fait que le professeur Muyembe ait été désigné pour pouvoir mener cette campagne de la lutte contre l'Ebola à l'Est. C'est encourageant et nous espérons que le médicament, le remède qui a été trouvé, pourra dans l'avenir avoir une patente congolaise et non pas une patente étrangère comme nous avons l'habitude de le faire, mais cela requiert que nos gouvernants africains puissent donner les moyens nécessaires pour que la science puisse recouvrer son blason d'or parce que nalobara mingi Égypte ezalaki ya bato mwindo science ya médecine ezalaki ya bato mwindo tomona ba pyramide lelo ezan esika moko ba reprena ba pyramide te. Donc, si en soi, il faut qu'ils aient la patente, une reconnaissance de la propriété intellectuelle du noir, parce que nous sommes aussi des savants. Talapus, café, les lots, et comment il y a des Américains, alors que scientifiques ou des savants ou des découvrants en haut, azali congolais. Donc, il faut tout changer manière au biso tout azali qu'on concevoir, Makam. Bon, je pense que nous devons tout faire pour comprendre l'histoire de notre pays. Et pour comprendre cette histoire, nous devons nous plonger dans le passé. Depuis 1960, je crois que nous avons les mêmes méandres en ce qui concerne la politique gouvernementale de notre pays. Donc, mais pour couper court à toute cette litanie sur l'histoire, j'aimerais tout simplement dire qu'il faut l'issoussou to recourir na mibeko oyabuso. Mibeko oyezali kambamboka et lobinini. Si la Constitution déclare que à l'issue des élections, il faut former un gouvernement en ayant un mois, qu'est-ce qui fait que plus d'un mois après, le gouvernement ne soit pas mis en place? En fait, je prends juste un exemple. Je ne sais même si c'est un mois, si c'est une semaine, si c'est 48 heures.
il faut quelque part le lingeto mona ki na mboka eye basalaki ba élection après biso le 8 mai mais une semaine après to mona ki pe gouvernement ebimaki gouvernement na pe ba ministre basal nini ba prêter serment na muso population mobima et pe zalaki na moy et là on a kamo amingi na mboka na biso bloko nyonso to salaka ezara na butu au moment ta gouvernement bo bat bazali kozela ekoya kobima bon ngana o ba gouvernement pour biso to tikala o voter te donc gouvernement na déjà pour nanga ezan ambigu parce que non seulement biso diaspora to vota kite mais ba parti mususu ezana na katia Congo et vota kite parce que biso to kokio lo ba ezali kambo ya logistique mais bato bazana yumbi na beni tout ça ba vota kite. Alors les lots gouvernement ezali kobima parlement ebimi mais ba toi que ba parti wana ya mabele ba vota kite donc gouvernement est toujours loba et kobima est partiel parce qu'il faut te considérer ba territoire wana donc ponanga ebima na butute nazali ko senga mingi na ba politiciens nazali ko senga na ye monsieur Félix Tshisekedi président de la République asala manso ke gouvernement ba ko pesa ye so ba o pesa le lo so ba o pesa le lobby po yo zo ba 8 mois mais to ke na 9e mois donc ce qui est bimi ebima pe na moy batu ba eba ke gouvernement ebimi ba eba ko réagir na ebite mais to mon ape bilongi musus depuis to botama na 60 to monaka batambwe mwamba na kanisi yoza ba trentaine mais depuis au botama 30 ans yango kombo ya tambwe mwamba ezalaka kaka lelo akomi président ya sénat depuis au botama oyoka kombo ya Tshisekedi bon akomi président ezali ya papa te ezali ya mwana mais ezali ka les mêmes kombo donc il fallait Balambert Mende, yekutu to loba. Donc depuis kaka mobutu ti lelo kaka Mende na Mende. Donc mukoloni ni to komona elenge moko abimi na université ezala ya Bandundu, ezala ya Bakongo, ezala ya Bukavu abima pe to monike elongia sika eye parce que il faut du sang neuf. Il ne faut pas ces vieilles générations. Les gens vont me dire non, je suis en train de déclarer une lutte générationnelle. Non, il faut que nous puissions voir un sang neuf qui pourrait amener des idées neuves pour le changement dans notre pays. Parce qu'on a besoin du développement. Un Ilunga ou Alukamba, je ne sais trop quoi. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter de neuf, lui qui a gouverné, lui qui a été dans les gouvernements, depuis Mobutu, sous Kabila père, sous Kabila fils et maintenant sous Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter de neuf qu'il n'avait pas su nous apporter dans ces années-là? Il a passé quelques mois au niveau de la SNCC et les travailleurs de la SNCC n'ont pas été payés pendant des mois et des mois. Il a été ministre, vice-ministre. Qu'est-ce qu'il a fait de concret qu'il va nous apporter aujourd'hui comme étant premier ministre? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Naloba Ming Bino Bozali Batoa Media. Donc Bozali quatrième pouvoir. Il faut bo mekako solliciter ba interview na ba dirigeant ba o bazali ko kamba. Bo tuna bango mituna ya solo solo. Eza te mituna o non bat balia kini non. Mituna yo salanini. O banayo ko gouverner province. E lo konin na province wana yo sali. O moni na mboko yo. Ba longoli ba premier ya ba province. O to benye ba gouverneur. Parce qu'ils ont fait la mégestion. Balongoli banani, parce que Moutoumoko Akoufi na hospice moro de vieillard, mais ministre Azali forcé à démissionner parce que c'est de son obédience de garantir la sécurité Yabatou Ena. Alors, Sengeluto changé le lingue Tozali ko stale lambo cannabiso. Okoki komanola motuna na yo na yo kango malamu te. Bon, Denis Mukwege nazali ko felicite nanu po nasi nasala kango par ba Twitter po na prix Nobel na ye.
na discours à Salaki, ou Salaki discours très éloquent. Ma foi, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi à galvaniser la solidarité nécessaire pour que notre pays puisse être reconnu au niveau international qu'il y a un génocide. Ma foi, c'est sa déclaration de pouvoir demander au président Félix Tshisekedi que les ministères régaliens ne soient pas cédés à Kabila est justifié et tout à fait louable, mais c'est un vœu pieux. Il faudrait que lui-même, le président de la République, puisse prendre conscience qu'il est important, impérieux, impératif que ces ministères régaliens reviennent à son parti politique parce que c'est lui le président de la République. Donc, c'est tout à fait normal qu'il fasse cette demande et cette requête auprès de son président. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Ezali Passi Kotuna, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire il y a le sapeur-pompier. Je ne sais pas si vous connaissez le sapeur-pompier. Donc, il y a celui qui met le feu et il est sapeur-pompier. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accuser lorsque on était soi-même un prédateur du pays. Donc, il faudrait d'abord que les personnes qui ont pillé ce pays-là puissent faire amende honorable, en ce sens qu'ils retournent les biens qu'ils ont dilapidés au pays et qu'ils puissent réparer là où ils ont commis du tort au pays et à la population congolaise avant de faire des leçons aux autres. C'est louable, nous acceptons, mais a-t-il réparé lui-même? Ont-ils réparé eux-mêmes? C'est la question que je me pose toujours. On a massacré des gens au Congo, on a pillé économiquement le pays et aujourd'hui, on est des millionnaires, mais qu'est-ce qu'on a donné en retour au pays? Donc voilà un peu ma réponse par rapport à votre question. Bon, il faut arrêter qu'on puisse piller notre pays. Il faut que nous tous, en tant que population, nous puissions nous lever pour que ce pays redevienne un paradis prospère pour le Congolais et pour tout homme qui se sent libre d'y habiter sur cette terre qu'est notre pays, le Congo, mais aussi que tout homme qui souhaite habiter le Congo puisse défendre la terre congolaise, puisse défendre le patrimoine congolais, la faune, la flore et tout ce qui est congolais, afin que nous puissions comprendre que cet homme, cette femme aime le Congo. Si ce n'est que sur le bout des lèvres, alors qu'on a pillé, on a dilapidé le tissu économique, en soi pour moi, ça ne veut rien dire absolument. Bon, Ezali, mon salaire à justice, parce que pour l'instant, Namibé Konabiso Azali sénateur, Mibé Koya sénateur et Lingi Kolobake Azo jouir na immunité en tant que sénateur. Donc, c'est à la justice de pouvoir délibérer là-dessus pour savoir quel sera le rôle ou quelles seront les conséquences que M. Kabila devrait subir. Il n'est plus président de la République, donc il peut être poursuivi par la justice, à moins que, comme étant sénateur, il puisse jouir de son immunité. Voilà, pour moi, je pense que les questions essentielles sur lesquelles nous devrions discuter, c'est le bien-être du peuple congolais. Nous avons l'habitude de discuter sur les individus, que sont les présidents de la République, que sont les sénateurs ou tutti quanti, mais il est important que nous sachions qu'est-ce que le Congolais lambda bénéficie de ces différents gouvernements, de ces différents politiciens et de tous ceux qui, depuis 1960, ont permis à ce pays de péricliter, de décliner, parce que n'oubliez pas,
Et je veux vous le rappeler, jusque dans les années 1970, l'économie de notre pays était une économie assez forte. Et on vous dira, vous avez certainement dû l'apprendre, que jusque dans les années 1970, un dollar, notre monnaie était plus forte que le dollar. Donc, ce qui peut vous dire que nous avions une économie tout à fait forte. Et cela est encore possible parce que un philosophe russe disait que les 5 prochaines puissances du monde, dans ces 5 puissances que seraient le Brésil, le Congo aurait été dedans. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne, alors que d'autres pays ont émergé, même des pays asiatiques qui n'ont pas les ressources naturelles et les ressources minières que nous avons ont émergé parce qu'il y a une volonté politique de pouvoir développer le pays. Au Monique, tant nous avons enchaîné dans nos colonisateurs, nous avons pu mieux s'exprimer, mais nous avons pu mieux s'exprimer parce que yangonde ezolakisa bonsomi ya makanisi nanga. Donc ce que lingai toke na Kikongo na okepe na Kikongo pona kolakisa ke nazali mwana ya mboka ya solo, nazali ote identité nanga ezali frauduleuse parce que question ou ezali brûlante, ezali ya eteni ya mboka na biso ou esika bapaya tout o bazali ko bundela on to bengi bango ba rebelle alors tozali ko sala face. Donc pour l'instant na lingina loba ete problème, il y a nationalité, il y a identité nationale. Ezali important pour nambo kanabiso. Toyeba nani azali congolais, nani azali congolete. Nakanisi ye président de la République. Natangu na mileko o ya le kaki awana Afrique du Sud. Parmi ba mituna o na tuna kie, o wana ezalaki ya yambo na tuna kie. Ce qui est le loi comme président de la République, a ko restitué biso identité na biso. Ndengenini, parce que banana biso bazali ko botama na étranger lelo awa ozali na Afrique du Sud au Monaka certificat de naissance au bape sarabango ezali ya papier donc et puis et comment mité que non azali sud-africain lo lenge boni lelo mutunyo so na Congo a kominaye congolais donc bloc wana photo revoir ango na lingina yamba problème mususu lelo au problème bazlingi koloba ya ko bannir ba frontière. Alors, lorsque on veut créer une seule Afrique, il faut que nous puissions réfléchir sur cette Afrique unie. Et j'aimerais parler ici de l'histoire, et c'est très important. Je m'excuse beaucoup, nazo tant nayo na différé peut-être na mituna nayo, mais ezali tant oyo il fallait topé ça ba leçon. Na 1915, tolobelaki ba tulokola ba Marcus Garvey, ba Webb Dubois, ba Diagne, bazalaki na oyo bilulu oyo basalaki na Londres, basal na ba Paris, na bangonga ena pour être non seulement le peuple africain mais ba peuple noir ya monde entier basangana po na bonsomi na bango ba ide wana ikenda wapi ba ide wana eye ko salemati na 1960 to le baba 57 na conférence de Bandung ba Kwame Nkrumah ba Patrice Emery Lumumba ba Julius Nyerere ba Sekou Touré bazwa ki le même idée ya unité ya ba peuple africain poto sala organisation de l'unité africaine libération pe bonsomi ya ba africain ba ide wana nyonso to ba o bazali banguna ya Afrique ba sala ki ke ba kota na kati ya mitema ya ba africain mususu oyo na koloba ete Malcolm X abanei kobenga house negro c'est-à-dire ba nègre de service o bazali kobundela mingi mingi pour voir ya mukuwa pouvoir ya mukuwa so lingina sosola na kososola na émission mususu donc ba nègre de service owana bazu pouvoir. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous papa prof Jean Boissa yende de Solinaye Makambu ya Etali Mboka na biso. Merci de vous avoir attentif ko na kotala émission na biso na Congo France. Merci beaucoup na Pawa Beskar ba komatin so ba ndimi yango ba diaspora ba ndimi yango po mutu moka tembo nae anje po na mituka ya cher po na yo a servi ba Congolais ba diaspora uti mboka partout za la rokitina Congo uza la poso ta mwana mutuka kitoko na kitoko ya classe
Wakubenga, Power Pesca pour la solution, Yamakuru Rayo, c'est une solution à séjour Rayo. Na Kinshasa, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à maman Adèle Yombo. Merci beaucoup à Papi Volcan, combattant non aligné, le président de l'Oanda, la NOR, ensemble pour une nouvelle république. Merci beaucoup à les bossages. Je suis Didi Pouma. Restez toujours branchés sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.